Putain, les étrangers, quand ils viennent chez nous, ils demandent où est Edith Piaf. Parce que pour eux, la France, c'est Edith Piaf. Parce que cette dame, en fait, qu'on n'a pas encouragée, qui chantait des chansons françaises à la française, et quand les autres l'ont entendue, ils se sont dit, putain, c'est, ah ouais, ça c'est chouette, c'est différent hein, de ce qu'il y a chez nous. Ça, c'est la France. Et depuis Edith Piaf, les autres, on les a poussés. France Gall, musique. On a essayé Serge Gainsbourg. On s'est dit, ah ça, les gens vont se dire quand même, c'est la France, ça n'a pas marché. Les mecs, ils n'en ont rien à foutre. C'est qui le mec torché, là? Il y a un jury, les trucs. On n'en a pas qui soit resté. Nous, on s'en souvient parce qu'on les a tellement vus. Donc, on s'est fait toute une série de chanteurs. On fait des concours de chansons. Puis après, on prend des chanteurs et puis on essaie, on les pousse. Personne n'a très envie de les écouter. À la télé, elle nous les montre. La radio. Les réseaux sociaux, les trucs, les machins. Ils essaient de nous raconter des histoires. On les montre. Pour que ça pousse, quoi. Mais on les pousse, on les diffuse, on les matraque, on les reçoit, on les interviewe. Puis après, on se dit, mais on n'aime pas trop leurs chansons. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors, tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.